J'adore faire de la pâtisserie. En plus, je dessine mon plat préféré. Un délicieux gâteau en forme de cœur. Je vais faire en sorte qu'il soit très spécial. Je vais le couvrir de confiture de fraises. Waouh, regardez ça! J'ai tellement envie d'y goûter. Mais je ne peux pas. J'ai encore du pain sur la planche. J'ai fini d'étaler la garniture. Maintenant, je rajoute la pâte à gâteau par-dessus. Et j'ai besoin de glaçage, beaucoup de glaçage. J'utilise du rose, évidemment. Il faut que tout le gâteau en soit recouvert. Ça va être magnifique. J'ai presque terminé. Il manque quelque chose. Je dois le personnaliser et je sais exactement quoi faire. Il faut absolument que j'immortalise ce moment. Je veux le montrer à ceux qui me suivent. Oh non, je n'arrive pas à trouver le bon angle. Oh, pourquoi c'est si difficile? Coucou Barbie. Ah. Salut Ken. On dirait que tu as besoin d'aide. Regarde ce que j'ai là. J'ai toujours un escabeau à portée de main. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, l'escabeau est un peu bancal. J'ai un mauvais pressentiment. Au secours! Je suis furieuse contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, on n'est plus à la cuisine. Oh, le gâteau est délicieux. Prête? Waouh, regarde ça! De la barbe à papa! C'est si moelleux. On fait la course. 3, 2... Hein? C'est parti! Je vais arracher un morceau. C'est comme manger un nuage. J'adore! C'est tout ce qu'il peut faire. Regarde-moi. Trop facile. Ça me chatouille la langue. Dépêche-toi enfin. Hein? Tu as terminé? Oh, comment tu as fait? Attends une seconde. J'ai une idée. J'ai besoin d'un bol d'eau. Maintenant, j'y mets la barbe à papa. Waouh, elles font! Il y avait quelque chose à l'intérieur. Regarde ça! De l'argent! Waouh, je suis riche! Attends, tu veux dire que j'ai mangé mon argent? Oulala, c'est pas bon! Ha! Tu es comme une tirelire. C'est très drôle. Je vais compter mon argent. Hé, je peux commencer! J'ai hâte de voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ce n'est même pas cuit. Oh, ça fait mal aux dents! Ah, je sais ce que je vais faire. Dites bonjour au chef Ken. C'est parti! J'ai besoin d'une casserole remplie d'eau. C'est la partie la plus facile. Maintenant, je verse les pâtes dans la casserole. Jusqu'ici, tout va bien. Et je fais chauffer. Oh, je ferais mieux de mettre un couvercle. C'est important. J'ai besoin d'un minuteur. Mon réveil est juste là. Ça me préviendra quand c'est prêt. Qu'est-ce que tu fais? J'ai du sommeil à rattraper. Sérieusement? Bon, c'est mon tour. Oh, waouh! Intéressant. Ah, je sais ce qu'il faut faire. J'ai juste besoin d'une dernière chose. Un mixeur. Au travail! Je mets la betterave dans le mixeur. Et le fromage. J'ajoute une cuillerée de fromage à pâte molle. Je remets le couvercle. Maintenant, je l'allume. Waouh, regarde-moi ça! J'adore cette couleur! C'est si lumineux! Hein, c'est quoi ce bruit? Ah oui, mes pâtes! Bon travail, réveil! Jetons un coup d'œil. Ça sent bon! Mais ce n'est pas terminé. Je verse les pâtes dans un bol. Je remplis bien. Ça me donne faim, tout ça. Oh oui, j'ai besoin de ça. Stop, voleuse de pâtes. J'ai une sauce délicieuse. Non, pas rose. Tu es folle. Tu gâches tout. Détends-toi, je sais ce que je fais. J'ai besoin d'une autre portion. Et voilà. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas manger ça. Je sais, le fromage. Ça va me sauver. Je vais en recouvrir les pâtes. Ça cachera la sauce. Ouais, c'est mieux. Attends, je vois encore du rose. Ça doit disparaître complètement. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis assez satisfait. C'est délicieux. Je peux commencer. Waouh, une sucette. Ça a l'air délicieux. Moi aussi j'ai des sucettes. Miam, goûtons-les. Je vais me régaler. C'est bon. Tu
tu en as de la chance. J'ai besoin d'une boisson. Je vais tremper ma sucette dedans. Ça va être génial. Ma boisson a changé de couleur. Très rafraîchissant. Ah, je sais ce que je vais faire. Il est temps de changer de tenue. Ça me va plutôt bien. La sécurité avant tout. C'est l'heure de se défouler. Prends ça. Wouhou! Ça fait un bien fou. Hé, tu vas arrêter? J'essaye de me détendre. Je l'ai transformé en cœur brisé. Mais je n'ai pas fini. J'ai des chamallows. Et de la pâte à tartiner au chocolat. J'ai une idée géniale. Je vais tremper le chamallow dans le chocolat en m'assurant qu'il est bien recouvert. Ensuite, je le trempe dans les petits morceaux de sucette pour ajouter un peu de croustillant. Délicieux. Ok, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tiens! Tu es sérieux? Tu es adorable. C'est délicieux, n'est-ce pas? Incroyable! Comme toi. Ok, je suis prête. Donne-moi ces nouilles. Pas mal. Tu en as assez? Essayons autre chose. Ouvre grand. Une sucette. Un petit soda. C'est un bonbon. Je ne m'en lasse pas. J'adore les aliments roses. Et maintenant des chamallows. Tu n'oublies pas quelque chose? Je vais changer de couleur. Allez, dépêche-toi. Attends une seconde. Ce n'est pas rose. Ah! Quoi? Comment tu as fait ça? J'ai hâte de commencer. Regarde ça. De la pâte à crêpes. Hein? Hé, Barbie, attends, j'ai eu 2 bouteilles. Ça m'est égal, je vais faire des gaufres. J'ai mon gaufrier juste ici. Je verse ma pâte. C'est très facile avec cette bouteille. Regarde ça, rien ne déborde. Ça sent bon. J'ai déjà l'eau à la bouche. Je vais faire la meilleure gaufre de tous les temps. C'était plus rapide que je ne l'imaginais. Je peux l'enlever maintenant. C'est bien croustillant, exactement comme je les aime. Mais ce n'est pas terminé, j'ai besoin de crème chantilly. Ça va être délicieux. Ça devrait suffire. Ah, je sais, je vais mettre des chamallows pour une touche de douceur. Ensuite, j'ajoute des petites boules de sucre. De mieux en mieux, je veux dire, regardez-moi ça. Ça devrait être dans une galerie d'art. C'est un vrai chef-d'œuvre. Ok, maintenant je peux manger. Je crois que je l'ai mérité. Je vais me régaler. Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ok, à mon tour. J'ai une plaque chauffante ici. Je fais couler ma pâte dessus. Je vais faire quelque chose de spécial. Je vais écrire mon nom. Il faut que j'aille très vite. Et je le couvre avec ma pâte rose. Maintenant, j'attends que ça cuise. Waouh, j'adore! Je vais ajouter des bonbons pour que ce soit joli et sucré. Regarde ça, Ken! Joli travail, Barbie! Je ne peux pas manger ça! C'est trop beau! Quoi? Tu plaisantes? Je vais le poster sur mes réseaux sociaux. Les gens aiment déjà. Au moins, ça la rend heureuse. La gaufre de Ken a l'air délicieuse. Vraiment délicieuse. Si seulement je pouvais goûter. Oh, allez, vas-y. Je te la laisse. Tu es le meilleur. J'ai tellement faim. Waouh! Regardez ça! Plutôt cool, hein? C'est sûr, tu n'as pas de quoi t'acheter de vraies œuvres d'art. Regarde, tout le monde peut le faire. Je dois pouvoir vendre ça à une fortune. Je peux pratiquement sentir l'odeur de l'argent. Ouais, si tu le dis. Bonjour à tous les enfants. Quelle belle pièce. Je sais. Bravo, bravo. Ceci invite à un défi artistique. Allons-y. Waouh! C'est quoi cet endroit? Regarde. Bienvenue mes petits artistes. Bonjour. Préparez vos esprits créatifs. Parce que vous allez participer à un défi de dessin. Qu'est-ce qu'il fabrique? Waouh, qu'est-ce que c'est agréable! Le verre contient des antioxydants, n'est-ce pas? Très bon pour la peau! Il sait que c'est de la peinture, n'est-ce pas?
D'accord, de quoi ai-je l'air? Rafraîchi? Enfin bref, oulala, j'ai mis de la peinture sur mon visage. En fait, j'ai une idée, c'est l'heure de la peinture aux doigts. Il a dit peinture aux doigts? Oh non! Attends, je sais! Oh ouais, venez voir papa! Tada! Elle est jolie, n'est-ce pas? Tu aimes les sirènes? Ouais, et alors? Essayons encore une fois. Ah! Oh ouais! Allons-y, allons-y! Je l'ai! Oh! Regardez-moi, ces teintes étincelantes! Pas mal, non? Lequel d'entre vous veut commencer? Ouais, c'est le pouce! Commençons par l'or scintillant, la couleur de la richesse, bien sûr. J'ai juste besoin de 2 empreintes. Il est ensuite temps d'ajouter les détails. Regardez comme c'est mignon! Ce sont des petits copains. Tu vois, la peinture au doigt est assez amusante. Je suis plutôt douée pour ça. Et voilà! Tout ce qu'il y a de mieux pour vous! C'est fait! Je m'impressionne moi-même! Oh! Qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser mes doigts? Je sais! Fourniture artistique en rang! Génial! Voyons voir! Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu aimerais bien le savoir! Oh! Trop beau! On y va! Waouh! C'est plutôt agréable! Vite, avant qu'il ne sèche! Ha! En plein milieu! Il ne me reste plus qu'à le remplir! La main est un excellent point de départ! Presque tout est rempli! Continuons! Vous arrivez à deviner ce que c'est? Tout dépend de la façon de voir les choses! Et sous cet angle, c'est un flamant rose! N'oublions pas ses petites pattes. N'est-il pas mignon? Et voilà! Regarde ce que j'ai fait. Pas mal. Le mien est plus mignon. Comme ma cravate. Bref, voyons ce qu'il en est. Très joli. Hazel? Un flamant rose? C'est très astucieux. Dessiné à partir de ta main, hein? Bravo! Mais celui-ci va à Hazel. Vraiment? J'ai réussi! Sérieusement, mais regardez comme c'est adorable! Ok les enfants, le prochain défi exige de sortir des sentiers battus. Vous voyez ce que je veux dire. Oh, waouh! Trop cool! C'est vraiment pas grand-chose, vous avez compris. Choisis une lettre. C'est dans la poche. Voyons voir. Waouh! Je vois... Oh non! Hé, va doucement! Ça y est, c'est passé! Quelle lettre dois-je choisir? Bien sûr! B et D! Elle a perdu la tête? Non, je vois les choses très clairement! Me voilà inspirée! Tout d'abord, nous avons un B minuscule. Puis un D minuscule. Et maintenant, on peut s'amuser! Un petit nez tout mignon. Vous devinez le petit chien? N'est-il pas le plus mignon? Oh, les petites pattes! Qu'est-ce qu'un chien sans une langue rose? Et il a une fourrure dorée. Ça peut prendre un certain temps, mais ça en vaut la peine. J'ai fini. Hé, regarde! Oh! Tout ça à partir de 2 lettres. Oh! Oui, je vois ça. J'ai ma propre recherche de lettres à faire. Cherchons. Oh, c'est plus que ce que je voulais voir. Burke. Waouh, cet éléphant est énorme et tellement majestueux. Je ne vois rien. D'accord, voyons voir. Oh non, non, non. Non? Plus c'est grand, mieux c'est. Il ne me reste plus qu'à m'installer. Comme tout bon artiste. J'adore les crayons fraîchement taillés. Tout simplement magnifique. La première étape consiste en des lignes épurées. J'ai maintenant mon point de départ. Voilà, ma lettre est faite.
mais je ne fais que commencer. Pouvez-vous dire ce que je dessine? Je vous donne un indice. Il est très gris et très gros. Admirez mes ombrages minutieux. Voilà, j'ai presque terminé. E comme éléphant. Je suis très satisfait. Oh, moi aussi! Vous avez vu? Waouh, c'est très beau! J'adore les chiens! C'est trop mignon! Et Miles? Quelle inventivité! Ces ombres sont impressionnantes! Mouah! Il reste maintenant à désigner le gagnant. Miles! Quoi? Mais mon chien est trop mignon! Impossible de battre une telle maîtrise! Regarde-moi ça! Rien n'est plus majestueux qu'une licorne et il s'avère qu'elles sont très amusantes à dessiner. Waouh, comme c'est joli! Mais j'ai besoin d'un peu de paillettes. Je vais en étaler un peu. Je ne dois pas dépasser. Voilà! Parfait! Mais qu'est-ce qu'une licorne sans arc-en-ciel de couleur? Pour ça, vous pouvez utiliser des cotons-tiges. Un pour chaque couleur. Ensuite, rassemblez-les et plongez-les dans un peu d'eau. Et faites jaillir les couleurs. C'est super joli, n'est-ce pas? Et en tournant légèrement, vous pouvez créer des motifs très intéressants. Comme une crinière magnifique et fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Ma licorne est bien plus originale. Et chère. Prends ça! Hé! Hey, c'est pas très gentil! Oh non! Tu vas voir! Ah! Hé! Hey! Hey! Waouh! Cessez de vous battre! Tu as vu ça? C'est l'heure du défi! Bonjour! Bienvenue à mon défi de dessin! Waouh! Génial! Et donc? Oh! Vous avez déjà vu un arbre aussi beau? Dessinez-en un! Oh! C'est tellement satisfaisant! Qu'est-ce que c'est que ce bruit agaçant? Quoi? Ça te dérange? S'il te plaît, arrête! Oh! Ça ressemble un peu à des fleurs! Ça me donne une idée! Mais d'abord, de la peinture. Ouais, c'est parti! Il va falloir que je me concentre. On va commencer par les branches. Fantastique! Maintenant, il faut quelques fleurs. Waouh, ça marche à merveille! Vous pouvez également superposer différentes couleurs. C'est joli! Et voilà le travail! Qu'est-ce que vous en dites? Waouh! C'est elle qui a fait ça, à partir de ça! Oh mon Dieu, j'ai aussi besoin d'inspiration! Oh, bingo! Je sais ce que je vais faire! Qui a besoin d'un pinceau? Je peux utiliser ces feuilles! Et beaucoup de paillettes, bien sûr! Oh ouais, une pluie de paillettes! C'est assez fascinant, n'est-ce pas? Si seulement il pouvait vraiment pleuvoir des paillettes! On aurait des plantes à paillettes! Et voilà, il est vraiment magnifique, n'est-ce pas? C'est terminé! Tada! Voilà mon chef-d'œuvre! Hein? J'ai de la concurrence! Oh, vous avez terminé? Et où est ma plante préférée? Miles? Oh, désolé! Ça ira pour cette fois! Et toi, Hazel? Quelle utilisation amusante de la texture! Choisissez le mien! Hazel est la gagnante! Bravo! Vraiment? Ouais! Quoi? Oh! Le mien est bien plus cool de toute façon. Ma poupée Ken est prête à faire la fête. Découvrez sa nouvelle chemise. Je sais comment attirer son attention. Oups! Et voilà qu'il va commencer à pleuvoir. Oh! Eh, pas sur ma poupée! Sérieusement, Sunny? Désolée, c'était un accident. Ouais, c'est ça. Prépare-toi à la vengeance. Attrape-la, Ken! Prends ça! Ha! Je l'ai eu! Bien fait! Oh ouais! Son nouveau manteau de fourrure! Il y a une énorme tache dessus maintenant! Tu vas payer pour ça!
Peu importe, c'était hilarant. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai peur. Je suppose que nous sommes coincés ici. Oh, c'est si sale! J'ai peur de la toucher. C'est comme si elle s'était roulée dans la boue. Je peux pas laisser mes poupées ressembler à ça. Je prends les choses en main. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? C'est vraiment grave! Voyons voir. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Il s'agit d'une jolie baignoire en plastique. Je crois que j'ai une idée. Ce plastique est ennuyeux. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu d'or? Waouh, ça a déjà l'air d'aller mieux. L'or est ma couleur préférée, après tout. Et ce tampon fait des merveilles. Ce modèle est trop cool, non? Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et j'ai terminé, mais je dois fixer la couleur. Le vernis à ongles transparent fera l'affaire. C'est tout ce que j'ai dans mon sac. Le temps des paillettes. J'adore tout ce qui brille. Il ne faut pas oublier l'autre côté. Wouhou! Une pluie de paillettes. Je ne me lasse pas de ces produits. Voilà, j'en ai fini avec l'or. Il ne reste plus qu'à apporter quelques touches coûteuses. Rien ne me rend plus heureuse que les bijoux. Ils apportent une touche particulière, n'est-ce pas? Oh, fabuleux! Tadam! Voici un bec pour l'eau. Tellement luxueux! J'aimerais que mon bain ressemble à ça. Wow, elle a fait ça! Mais au lieu de le remplir d'eau, c'est le soda diététique qui est à l'honneur. Ces bulles éliminent la saleté. Juste assez. Mais j'ai besoin d'un peu plus de force. Bonjour les bulles! Regardez tout ça! Ça va être génial! Tout ce qu'il y a de mieux pour ma douce Barbie. Sympa! Elle est prête pour le bain. Entre, ma fille. Ah, c'est tellement relaxant. Et dire que je l'ai fait à partir de rien. Regardez cette beauté. Et on dirait de l'or véritable. Il ne faut pas oublier les friandises. Bravo pour la propreté. Hé! Magnifique, merci. Oh ouais! Hein? Où est-ce que t'as trouvé ça? Sérieusement, Sunny? Mais comment? Pourquoi ne pas t'occuper de tes affaires? D'accord. Attends, je vais m'occuper de toi, Ken. Que la fête commence! Burke! Est-ce que je peux utiliser un de ces trucs? Dégoûtant! Quelle déception! En fait, je pourrais peut-être utiliser ça. Les choses s'améliorent enfin. Est-ce que vous avez déjà fabriqué votre propre rideau de douche? Ça a l'air bien, mais qu'est-ce qu'une douche sans pommeau de douche? C'est la pièce parfaite. Tout est prêt. Quelqu'un va bientôt être propre. Prêt, Ken? Bonne douche. Ça va te faire du bien. Waouh, c'est pas mal, Alex. On dirait que t'as terminé ton bain. Voici ta serviette. Tellement plus fraîche. Waouh, t'as l'air d'aller beaucoup mieux. Toi aussi. Bravo, t'as l'air bien. Merci, mec. Oui, continue à faire des sauts. C'est l'heure des abdos. Waouh, ça doit être agréable. Elle ne travaille jamais pour rien, tu vois. Quoi qu'il en soit. Continue, concentre-toi. 3, 4. Oh, est-ce que le soleil est dans tes yeux? Oh non, c'est pas bon. T'as besoin d'ombre. Je ne peux pas rester ici toute la journée. T'as besoin de tes propres lunettes de soleil. Je vais m'en occuper. Est-ce que tu aimes celles-ci? Celles-ci ne fonctionnent pas. Oh! Ouh, celles-là sont super mignonnes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop mignon! Le pouvoir des fleurs. Pourquoi est-ce que j'ai encore ça? Bizarre. Il faut que je trouve quelque chose ici. Hé, et ça? Oh, elles sont tout simplement trop grandes. Hé, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que je peux faire. Donnez-moi ce truc. Je vais fabriquer de nouvelles lunettes. Les miennes sont une source d'inspiration parfaite. C'est parti. Je me contenterai de tracer l'image. Vous voyez comment j'ai ajusté la taille? Je sais maintenant qu'elles seront parfaitement adaptées. Ah, j'aime bien les signes de dollars.
trop mignonne. Prête à essayer ce super accessoire? Et voilà! Ces lunettes sont si riches, chérie! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je porte les miennes aussi? C'est fait! J'adore! Wow, belles lunettes! Tu en veux? Moi aussi! Hey, et ce truc? Les trombones sont faciles à plier. Voyons voir. Très délicat. Est-ce que ce truc ressemble à des lunettes de soleil? Sympa! Et elles sont juste pour toi. Essaye-les. T'es un beau petit diable. Des lunettes sur mesure. Hein? Je suppose qu'elles sont mignonnes. Il mérite lui aussi d'en avoir une paire. Hé, hey, Alex! Hein? Tu les veux? Oh, parfait! Elles sont toutes à toi! C'est vrai? C'est très gentil de ta part! Je n'ai jamais eu de lunettes de soleil auparavant! De quoi est-ce que j'ai l'air? Tu les aimes? Nous avons de belles poupées! Je suis tout à fait d'accord avec ça! Vive nous! Oh! Ouais! D'accord, jouons! Oh, ces coins sont difficiles! Tu veux aller faire du shopping? Oh! Vous avez désespérément besoin d'un bain! Dégoûtant! Hein? Hé! Hey! Ce n'est pas mon problème. Peu importe. Oh, ma pauvre! Tu ne mérites pas d'être jetée comme ça! Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde comme t'es adorable! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde-toi maintenant! Tu es sale! Un peu d'aide, s'il vous plaît? C'est moi que tu cherches! Bonjour! Tu peux la nettoyer un peu? Elle est toute sale! Bien sûr! Mais ça va te coûter cher! Ce n'est pas un problème! Parfait! On dirait que c'est l'heure du bain! Tu es prête? Oh, c'est parfait! Juste la bonne taille! Détends-toi! Mais j'ai besoin d'eau! N'en dis pas plus! Voilà la pluie! Désolée, elle est un peu froide! Incroyable! Je ne reviens pas que t'arrives à faire de la pluie comme ça! Je n'ai pas fini! Tu vois ça? C'est rien que pour toi! Waouh! C'est incroyable! Attends un peu. Toutes les Barbies méritent quelques paillettes. Et voilà! Jolie, n'est-ce pas? Je suis vraiment douée! Oh, j'ai failli oublier. Voilà de quoi prendre soin de sa peau. Attends, c'est pour moi? Non, c'est pour elle, idiote. Tiens, ça fait du bien, non? Que la saleté disparaisse. Il est également très exfoliant. J'aimerais pouvoir prendre un bain comme celui-ci. C'est tellement luxueux. Tu n'en mérites pas moins. Regarde-toi maintenant. Ta peau est étincelante. Waouh, bravo! Vraiment remarquable. Oh, j'arrive pas à enlever ce truc. Waouh! Salut! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle aussi, elle peut prendre un bain? Oui, mais tu as de l'argent? De l'argent? Je crois que j'en ai un peu. Attendez! C'est tout ce que j'ai. $1? C'est une blague! Allez, s'il vous plaît! Bon, d'accord. Et qu'il pleuve! Hein? T'aurais pu me prévenir! Je suis trempée maintenant! Désolée ou pas! Merci beaucoup! Une seconde! Allez! Je sais! La réponse est juste sous mon nez! Quelques coups de ciseaux devraient faire l'affaire! Presque! Hé! Hey! Hein? Oh! Jusque-là, c'est pas mal! Il ne me reste plus qu'à peaufiner certains détails! Et... tadam! Voilà une douche pour poupée! Comme ça, tu vas enfin pouvoir te laver! Je sais, c'est assez impressionnant! Il ne reste plus qu'à attendre! Hein?
Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est plutôt cool! T'as vu ça? Oh! Tu as terminé là-dedans? Ta peau est tout simplement resplendissante! Tu es tellement belle! Hé, Molly, regarde! Waouh, bien joué! Je trouve aussi! Allez, à plus! À bientôt! Et tes vêtements alors? Ça ne va pas du tout! Regarde cette jolie tenue! Elle est loin d'être parfaite! C'est inacceptable! Heureusement que nous avons ce fabuleux placard! Tu crois qu'on va trouver quelque chose là-dedans? Voyons voir! Tout ceci t'appartient! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ce n'est pas tout à fait ça! Que penses-tu de celle-ci? Et ça? Pourquoi pas celui-ci? Certainement pas! Oh, y a rien qui te va dans ce placard! Tu n'as rien à te mettre! C'est tellement déprimant! Décidément, tout va de travers! Wow, ça a l'air délicieux! Je ne sais pas quoi faire! Quelle belle couleur dorée! C'est ça! Tu vas être super tendance en un rien de temps! Je vais juste enrouler ça autour de toi! Ça fera une superbe robe de soirée! Il ne faut pas qu'on oublie des pierres précieuses! C'est joli, non? En plus, c'est très original! Regarde! Tu es magnifique! Oh, je dois avoir quelque chose par là! Comme ce sac! Non! Je vais faire quelque chose de mieux! Je l'espère! Regardez ce que quelques plis peuvent faire! Hé, Molly! Qu'est-ce que tu en dis? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh non! Ne la regarde pas! Oh, t'as vraiment besoin de vêtements! Ma chaussette! Attends une seconde! Ça sent mauvais? Oula! C'est pas génial! Mais bon, ça fera l'affaire! Heureusement, je n'ai besoin que de la partie haute de la chaussette! Et voilà, une robe magnifique! C'est mignon, non? Et c'est si doux! Hé, ça te plaît? Hein? Où est-ce que t'as trouvé ça? Je l'ai faite moi-même! On joue ensemble? Oh, ce sont deux copines branchées! Ma poupée est si jolie! Il suffit de la regarder! Bonjour, voisine! Waouh, tu as l'air tellement glamour! Tu es une beauté naturelle! Et tu vois ça? Il y a un beau gosse là-bas! Je pense que tu as un admirateur! Va dire bonjour! Ne sois pas timide! Regarde ce mec! Qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Hé, on l'a vu en premier! Non, non! Dégage! Essaye donc! Hé, arrêtez! Je suis pas un morceau de viande! Waouh! Où sommes-nous? Oh, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, et beau gosse! La roue tourne! Sur quoi elle va s'arrêter? Personne ne le sait! Oh, elle s'est arrêtée sur l'ours! Adorable! Faites-moi un ours en peluche! Pas de problème! Regarde tout cet argent! Ouh, joli! C'est ça, continue à regarder! Où ira-t-il ensuite? C'est un mystère! À moi! À moi! Je dois faire vite! Arrête de bouger! Une petite coupe ici, une grande par là! Et j'ai un ours en peluche! Je le place sur une feuille de papier. Attention aux plis! Regarde! Pas mal, hein? Je suis riche! Ça me dit quelque chose! Je l'ai amélioré! Oh, je vais en acheter un œuf. Mais d'abord, j'ai besoin d'un ours! Tant d'argent! Prends l'ours, donne-moi l'argent! J'ai de grands projets pour ça!
J'ai besoin de peinture. Je l'appliquerai sur le papier. Je dois m'assurer qu'il est couvert. J'irai jusqu'en bas de la feuille. C'est amusant. J'ai presque fini. Ça devrait suffire. J'espère que tu peux retenir ton souffle, Teddy. Je vais badigeonner l'ours de peinture. Voilà, on badigeonne bien. Je pense que c'est assez. Je peux le retirer maintenant. J'ai besoin d'une autre feuille. J'y presse l'ours. Je le déplace légèrement. Il a besoin d'un petit nœud. Mignon, non? C'est tout ce que tu as? C'est un peu décevant. Et toi, tu as ruiné mon ours? La poupée de village gagne. Je le savais. Gilly Gilly! Tournons la roue. C'est un téléphone. Appelez-moi un de ces quatre. Oh, ce sera facile. Non, pas celui-ci. C'est ce que je cherche. Je le mets ici. Maintenant, je vais prendre une petite photo. C'est parfait. Il est temps de l'imprimer. J'adore la technologie. Oh, c'était rapide. C'est exactement ce que je veux. Hé, regarde ça! Waouh, c'est génial! Et ça me donne une idée. J'ai besoin de votre aide. Vous devez peindre un téléphone. Ça vous coûtera cher. Je suis un peu à sec. Un instant. Réfléchis. Ouh, c'est ce que je cherche. De délicieux œufs frais. C'est mon jour de chance. Ne le dites pas au fermier. Hé, monsieur l'artiste, que diriez-vous de quelques œufs fraîchement pondus? Laissez-moi voir. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, je suis végane, mais bon, marché conclu. Ouh, joli coup de pinceau. Ouah, vous avez beaucoup de talent. Ma mission est terminée. Et voilà. Ouah, il me faut du bacon. Me revoilà. Je l'ai peint moi-même. J'espère qu'il te plaira. Ignore-la. Waouh, vous avez l'esprit de compétition. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et c'est lui. C'est un véritable visionnaire. Quoi? Hein? Un point? Je suis à nouveau dans la course, bébé. Et maintenant, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est un petit chien très mignon. À vous de jouer. Ouaf, ouaf. Gros. Hip, hip. C'est difficile à regarder. Je sais quoi faire. Tout d'abord, j'écris « dog ». Ensuite, je dessinerai des yeux. Et deux grandes oreilles tombantes. Ce sera le nez. Je sais qu'il sera super. Ensuite, le corps. Tout se passe bien. Quoi d'autre? Ah, la queue. Comment ai-je pu oublier? Waouh, impressionnant! Va chercher un os ou quelque chose comme ça. Je dois me concentrer. Cette couleur est parfaite. Ensuite, je colorie la langue en rouge. Et c'est tout. Un petit chiot adorable. Ta-da! Je sais, il devrait être dans une galerie. J'ai un bon pressentiment. On doit la battre. Hein? T'as dit quoi? Oh, tu veux jouer à la balle? Vas-y, va chercher. Qu'est-ce que tu fais? Youhou, ça a vraiment marché! J'y crois pas! Cette poule ne me déçoit jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être un rêve. Mettons-nous au travail. Je vais dessiner autour du chien. J'espère qu'il ne bougera pas. Voilà, j'ai terminé. Comme deux gouttes d'eau. J'ai vraiment dépeint tes qualités. Que se passe-t-il? Non, lâche! Va chercher ton propre dessin. Attention! Donne-moi ce dessin. Qu'as-tu fait? C'est fichu! Je croyais que les chiens étaient censés manger les devoirs. Peut-être que personne ne le remarquera. Cette décision ne devrait pas être difficile à prendre. Vraiment, c'est ça que tu me donnes? Pouah! Bon, la poupée de ville gagne. Youpi! J'ai réussi! Ouais, c'est plutôt juste. C'est tellement hypnotique. Cette fois, c'est une Pokéball. Ah, rafraîchissant. Ça fait du bien. Qui a besoin d'un salon de beauté? Faites attention à moi. Vous êtes encore là? Attrapé? T'as vu ça? C'est à moi. Trop lente. Tu peux l'avoir. Zut, merci. Il reste du soda. Ah! Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah! Oh! J'aurais préféré ne pas savoir, mais ça me donne une idée. Je ferai mieux de m'y mettre. Je vais dessiner mon personnage préféré. Je commencerai par les oreilles. Les pointes doivent être colorées en noir.
Ça se présente bien. Ensuite, je vais dessiner le visage. Les joues roses. Maintenant, deux grands yeux. Tout se passe bien. Je colorie les yeux en noir. Faut pas que ça déborde. Je fais de même avec l'autre. Le nez n'est qu'un triangle. J'ai besoin d'un beau et joyeux sourire. Regardez-moi ça. Mais il y a encore du travail à faire. Je vais rapidement dessiner le corps. La queue ressemble à un éclair. Enfin, je dessine deux bras. Je me surprends parfois. Il est temps de le colorer. Ce rouge est idéal pour les joues. Elles se démarqueront vraiment. Puis, je vais remplir la bouche. Ensuite, j'aurai besoin de mon feutre jaune. Je commence par la queue. Je prends mon temps. Je ne veux pas tout ruiner. Enfin, un peu de rose pour la langue. Ça devrait suffire. C'est Pikachu! Jette un œil. Incroyable! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde, je peux utiliser ce gobelet. Je commencerai par découper un trou de chaque côté. Maintenant, j'ai besoin d'un tas de paille jaune. Je les coupe et les colle ensemble. Je les mets dans le gobelet, comme ceci. Ensuite, je peux coller la tête de Pikachu au sommet. J'ajouterai ses cœurs au bras. Ça me rend si heureuse! Et un autre cœur en plein milieu. Et maintenant, la partie la plus amusante! Hé, Pikachu danse! Hé, Kevin! Faut que tu vois ça! Ces pas de danse sont plutôt mignonnes, non? Je pourrais le regarder toute la journée. C'est l'heure du jugement! La poupée de village gagne cette manche. Désolée! Youpi! Je suis la meilleure! Youhou! Oh, c'est pas juste! J'aurais dû gagner! Ouh, c'est Kevin! Ça roule? Tu veux sortir d'ici? J'attendais que tu le dises. La vie peut être si cruelle. Adieu, loser! Allons-y! Tu m'as rendue si heureuse! Mais, et moi alors? Je n'ai jamais de belles choses! N'ai-je pas droit au bonheur, moi aussi? Au moins, mon argent me tiendra compagnie! Oh, hé, bonjour! Arrêtez! Oh, un homme égoïste! Oh, t'as eu plus de chance, Barbie? Waouh! Bonjour, mademoiselle! M'abonner à quoi? Oh, désolée! Oh, c'est de l'argent que tu veux! Oui! Non! Sérieusement? C'était grossier! Bonjour, avez-vous un peu de monnaie? Bien sûr! Hé! Attendez! Waouh! Quoi? Où est-ce que nous sommes? Je suis pauvre! Regarde cette robe! Je l'adore! Parle juste pour toi-même! Oh, cette poupée est tellement ennuyeuse! Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour elle? Cette poubelle est pleine de choses! Voyons voir! Oh! Je pense que je peux commencer par ça! J'ai soif! J'ai fini! Une vieille boîte de chips? Hé! Hey, pourquoi t'as fait ça? Ah! Oh, bon, d'accord! Qu'est-ce que tu veux? De nouveaux vêtements, hein? Oh, ces perles! Quoi? Tu penses à la même chose que moi? Il est temps de faire une mise à niveau de ton style de mode. On commence par une grande bouteille d'eau. Et ce petit truc. Une fois qu'on le coupe, on colle dessus quelques petits bijoux. N'est-ce pas trop mignon? Ce sera l'accessoire parfait pour les cheveux. Et voilà! Est-ce que tu aimes? Il n'y a pas de quoi! Ah, peu importe! Attends! Oui, j'en ai besoin tout de suite, d'accord? Hein? Attends! Comment es-tu arrivé si vite? Merci, à plus tard! Regardez ce bling-bling! Ça a l'air cher! Ah oui, d'accord, tu es là! Je suppose que tu peux l'avoir. Il est en fait très mignon sur toi. Et ce bandeau est tout à fait assorti. Elle est la plus mignonne. Pas plus mignonne que ma poupée. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il manque encore quelque chose à cette poupée. Je suis du même avis. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'ai quelques achats à faire. Voyons voir. Waouh, c'est très mignon!
Une livraison rapide. Autant tout prendre. Regardez tout ça. Hein? Regardez tous ces nouveaux vêtements. Je n'arrive plus à gérer ce que j'ai. Ce n'est certainement pas ce qu'il me faut. Heureusement que j'ai ce truc. J'espère que ça nous permettra de rester organisés. Regardez tous ces placards. Parfait pour contenir des petites pièces comme celle-ci. Rien de tel qu'une belle armoire bien remplie. Je me sens si riche. Et il y a même des emplacements pour tous tes accessoires. J'aurais aimé qu'ils soient à ma taille. C'est bien. Je me sens déjà mieux. Waouh, quel garde-robe! J'aurais tellement aimé avoir quelque chose comme ça. Si seulement... J'adore rendre les gens jaloux. Je ferais mieux de commencer à essayer des choses. Je n'ai rien à te faire porter. T'as l'air si belle, ma fille! Mais quelle est cette odeur nauséabonde? Ça ne vient pas de toi. Qu'est-ce que tu regardes? Ding, ding, ding. J'ai trouvé la source de cette odeur nauséabonde. Tiens, t'en as plus besoin que moi. Oh, merci. En fait, je peux l'utiliser. Tout d'abord, je coupe les orteils. Ensuite, je fais une petite entaille ici, mais pas jusqu'au bout. Puis, je tire le lacet vers le bas. Essaye-la. Pouvez-vous croire qu'il s'agissait d'une chaussette? C'est trop mignon. Je suppose que c'est bien. Ce n'est pas une robe de bal. Oh, je sens encore quelque chose. Oh non, est-ce que l'odeur vient de moi? Je ferais mieux de m'acheter de nouvelles chaussettes. Ensuite, nous pourrons aller au centre commercial et... Mindy, où es-tu allée? Elle a laissé sa poupée? Oh non! Hé, où est-elle allée? Dis-moi! Oh, je te ramène à la vie. Rien? Oh, je sais! Délicieux! Qu'est-ce que Jasmine fait à ma Barbie? Hein? Oh, hé! Tu as des hobbies bizarres. Je m'assure juste qu'elle va bien. Tu veux jouer? Nous sommes prêtes. On a l'air en forme, ma chère. Certainement. Je suppose que l'argent ne compte pas quand il s'agit de s'amuser. Je pourrais faire ça toute la journée. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. J'ai le vertige. Où est passé ton sens de l'aventure? Tiens, tiens, tiens. J'ai pas dû recevoir l'invitation pour la fête costumée. Je ne plaisante pas, jeune fille. Je vous embarque au poste. Attendez. Quoi? Ok, ce n'est pas bon. Si vous ne vouliez pas vous retrouver ici, il ne fallait pas commettre de crime. Salut, coloc. Comment ça se passe? Dégage. Elle a l'air grincheuse. Oh, le juge appelle. Bonjour, votre honneur. Il s'avère que j'ai fait une erreur. Les vampires sont des gentils. Ils sont tous libérés. C'est officiel. Oh, j'ai encore mal au cou. C'est votre jour de chance, les gars. Je déteste ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est temps pour moi de partir. Adieu, la grincheuse. Comment tu m'as appelée? Attends-moi. Pas vous, non. Vous restez ici. Hé, laissez-moi sortir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Regardez ça, vous êtes coupable. Mais le vampire... Attendez une seconde. Hé, suceur de sang. C'est à moi que tu parles? Il faut que tu m'aides. Je te récompenserai comme il se doit. Oh, ça a l'air frais. Mais j'ai faim. Je suis censée être au régime. Mais c'est tellement tentant. Trop bon. Pourquoi est-ce que je ne me transforme pas en vampire? Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Attendez, où sont mes crocs? Non, ce n'est pas possible. Des beignets. C'était moins une. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, regarde ça. Hé, viens ici. Viens, n'aie pas peur. J'ai un coup bien juteux, c'est ça. Tu veux bien te dépêcher un peu? Ok, c'est bizarre. Ah, ça va mieux. Quel soulagement. Bon, je vais y aller. À plus. Hé, tu ne peux pas me laisser comme ça. Très bien, je vais me débrouiller seule. Allez, petit gars, fais ce que tu sais faire. C'est un buffet à volonté. Qu'est-ce que tu attends? Je sais quoi faire. Peut-être que ceci te fera changer d'avis.
Je vais saupoudrer mon cou de nourriture pour chauve-souris. Allez, viens. Mords-moi un bon coup. Pas question. Tu te moques de moi? Oh, tu n'es vraiment pas sympa. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attendez, que se passe-t-il? Accélérez, blondinette! Cessez de résister! Ça commence à m'énerver! Lâchez-moi! Au moins, j'ai de quoi me divertir. Ne me touchez pas! Entrez dans la cellule. Dommage, le spectacle est déjà terminé. Elle a laissé tomber son sac. Ça pourrait s'avérer utile. Je le prends. C'est un beau sac. Dommage pour la couleur. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de maquillage. Ce sont des faux ongles? Oh, c'est tellement ridicule. Attendez une seconde. J'ai besoin d'autre chose. Comme cette lime à ongles. J'ai une idée géniale. Ça vaut la peine d'essayer. Oui, ça pourrait fonctionner. Ça ferait un croc assez convaincant. Mais il faut que je le façonne. C'est là que la lime à ongles entre en jeu. Je vais la tailler en pointe. Je veux que ce soit parfait. Il faut que ça ait l'air vrai. Ça devrait suffire. Je vais l'essayer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pourrais être dentiste. J'ai les crocs et maintenant, cette robe ne fait pas vraiment un vampire. Je vais avoir besoin d'une nouvelle tenue, mais je ne peux pas aller au centre commercial. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse utiliser. Du jaune? Trop vif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du rose? Burke? Du rouge? Ok. Et ensuite? Oh, du noir. Je préfère. Je vais me servir de ça. C'est pas mal du tout. Cette cape est tellement chic. Ça me va bien, non? Je pourrais m'y habituer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? La chose? Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ressort? Donne-moi ça. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce que tu dis? Une seconde! J'ai compris! Allons-y! J'insère le ressort ici. Je n'ai pas besoin de ça. Hop, à la poubelle. Ok, je pense que c'est bon. C'est plutôt pas mal. Je vais l'essayer. C'est parfait. J'ai presque l'impression d'être un vrai vampire. Oups, petite erreur de calcul. Il faut que je fasse plus attention. Je pense qu'il faut que je me maquille. Je n'arrive pas à croire que je dis ça. J'ai besoin de ce pinceau et un peu de fard à paupières. Cette couleur est assez belle, finalement. Ça m'ira parfaitement. Ça ajoute un peu de paillettes, mais je n'ai pas fini. J'ai ce morceau d'éponge. Je vais tamponner le maquillage rouge. Puis, je l'applique délicatement sur mes paupières. Comme ceci. Oh, j'adore! Ça fait vraiment ressortir mes yeux. Maintenant, j'ajoute la touche finale. J'ai vraiment un look d'enfer. J'ai besoin que mes cils soient plus longs. Ceux-ci se collent facilement. Ensuite, je vais mettre des lentilles rouges. Quel changement! Et je n'ai même pas eu besoin de me faire mordre par une chauve-souris. J'espère que ça en valait la peine. Et le flic! Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Encore un vampire? Oui, ça ne se voit pas. Je vais vous laisser sortir. Ne bougez pas. À moi la liberté. C'était trop facile. Wouhou! Je veux dire, merci. Je ferais mieux d'y aller. Ce vampire est vraiment bizarre. Bon, eh bien, bonne journée. Je crois que je suis en train de créer mon plus grand chef-d'œuvre. Ce sera une véritable découverte pour la science. Incroyable! La poupée est en train de changer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que ça devrait suffire. Jetons un coup d'œil. Waouh! Génial! J'adore! Il ne me reste qu'une chose à faire. Elle a besoin d'une goutte de ma potion super secrète. Ça vient! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Salut! Comment ça va? Oh! Viens avec moi! Ok. C'est parti! Pas si vite! Voici donc ma maison. Fais comme chez toi. Je reviens tout de suite. Bien sûr, prends ton temps. J'espère que tu aimes le thé. Je viens de le faire. Je n'ai jamais goûté. Je vais essayer. Oh, on devrait faire un selfie. Ça me semble être une bonne idée. Dis cheese. Oh, elle est bien celle-là. Jetons un coup d'œil. Ce n'est pas mon meilleur angle. Quelle horreur! J'ai une sale tête! Regarde ce bouton! Il est énorme! N'essaye même pas! On ne perce pas de bouton ici! Non! Ne fais pas ça! Attends une minute! C'est maintenant ou jamais! Est-ce que tu aimes un peu de lait avec ton thé? J'ai un kit de beauté! Hein?
Oh, super! Tout ce dont nous avons besoin se trouve là-dedans. Regarde! Je vais essayer! J'applique le masque de beauté sur ta peau à l'aide d'un pinceau. Hé, ça chatouille! Mais surtout, ne t'arrête pas! Waouh! C'est comme une journée au spa! Ce n'est pas tout. Je place ensuite ces autocollants sur tes boutons. Waouh! Ils sont jolis! Je me sens si glamour! Maintenant, retire le masque. Pas de problème. C'est bizarre comme sensation. Mais dans le bon sens du terme. Tu penses que ça va fonctionner? C'est ce que nous allons voir. J'ai presque tout enlevé. La dernière partie. De quoi j'ai l'air? Les boutons ont disparu. Merci, t'es la meilleure. Y a pas de quoi. Je pense que j'ai bien mérité ce thé. Le goût est particulier. C'est acidulé. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Oh, c'est quoi ça? De l'eyeliner? J'ai toujours voulu essayer. J'ai ça dans le sang. Je peux te maquiller après si tu veux. Ça va aller, merci. Donne-moi ça. Ne bouge pas, il faut que je te donne un petit coup de pinceau. Ok, pas mal. Voilà, c'est mieux. Je vais chercher le miroir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une blague! Tu trouves que c'est mieux? Tu n'aimes pas? À ton avis? Je peux encore régler ce problème. Attends-moi ici. Et Ken a fait un truc super drôle! Coucou les filles! J'ai un problème. Nous avons eu un petit accident de maquillage. Oh, quel cauchemar! Je sais! Voilà ce qu'il te faut. Une sucette? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Eh bien réfléchis! Ah, je sais! Merci les filles! J'ai la solution. Qu'est-ce que c'est? Une sucette jouet? Je ne comprends pas! Fais-moi confiance. Je vais les coller sur les bords de tes yeux. C'est si coloré! Waouh, c'est incroyable! Je n'y aurais jamais pensé! C'est très coloré! Oh, j'ai failli oublier! Je n'ai pas besoin de ça! J'ai une petite astuce. Je couvre le recourbe cils de rouge à lèvres. Ensuite, je l'applique sur mes lèvres. Ça correspond parfaitement! Je fais pareil avec ma lèvre inférieure. C'est simple et rapide. Et le résultat est impeccable! Impressionnant, n'est-ce pas? T'es une véritable gourou du maquillage. Tu en veux? Oh, merci! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Burk, c'est froid! Tu plaisantes? Je ne peux plus porter ces vêtements maintenant! Nous devons changer ta tenue. Allez, viens! Voici mes vêtements! Oh là là, il va falloir qu'on aille au centre commercial, toi et moi. Voyons voir. Non, pas question. Oh. Tu as vraiment acheté ça? Je pense que nous allons nous contenter de ceci. Bonne idée! De quoi j'ai l'air? Je préfère ne pas le dire. Quoi? J'aime bien, moi! Très bien! Qu'est-ce que t'en penses de ceci? C'est mieux, non? Non, pas vraiment, non. Waouh, t'es difficile! Ça, c'est mignon! Ok, il faut qu'on parle. Je n'ai plus d'autres vêtements! Oh, j'ai une idée! On va faire du shopping en ligne! Non, ça ne va pas. Nah! Attends, j'ai trouvé! Épuisé? Oh, c'est toujours pareil. Attends une seconde. Je me demande. J'ai une idée! Je vais prendre ces accessoires. Je n'ai pas besoin d'une douche. Si? J'ai besoin du tissu. Je vais déchirer les éponges. Évidemment, j'avais compris! Je colle le tissu à ta jupe en alternant les couleurs comme ceci. Waouh! C'est super! Quelle différence! Waouh! J'adore! Non, il y a un truc qui ne va pas. Non! Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée! Donne-moi une minute! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, elle est propre! Regarde ça! J'ai juste besoin de cette culotte! Qu'est-ce que tu fabriques? Je passe un ruban à travers, puis je l'enroule autour de mon cou! Je fais pareil avec l'autre côté! Ensuite, je peux le passer dans la bande de la culotte comme ceci! Voilà! Je fais pareil ici! Je tire sur le ruban, ensuite je peux le fermer derrière! Je serre bien le nœud et le tour est joué! Regarde ça! Voilà ce que j'appelle une tenue! Waouh! Quel travail remarquable! Je savais que ça te plairait! J'ai quelque chose pour toi! Je crois que tu l'as bien mérité! Je le gardais pour une occasion spéciale! Comme celle-ci! Waouh! C'est magnifique! Demi-tour! Je n'en crois pas mes yeux!
C'est si gentil de ta part. C'est magnifique. Nous devons encore arranger tes cheveux. Oh, j'avais oublié. Je vais les secouer un peu. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai l'impression d'être un mannequin. Quelle transformation! Merci beaucoup! Rien n'aurait été possible sans toi. Viens par ici. J'adore les fins heureuses. Je suppose que ma mission est terminée. Je ne veux pas que ce moment se termine. Hein? Où est-elle allée? Est-ce que ce n'était qu'un rêve? Au moins, toi, tu es encore là. Ok, je dois y aller. À bientôt! À bientôt! Une poupée magique qui nous aide à changer de look, ça n'existe pas. C'est pour ça que nous avons imaginé pour toi ces astuces qui t'aideront à te mettre en valeur. Quel est ton meilleur conseil de beauté? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne.